Bonjour, mon nom est Mike Romero. On est là pour un autre unboxing. L'unboxing numéro 16, si je ne m'abuse. Bon, en fait, c'est un unboxing qui ne rentrera pas dans les giveaways. Pour ceux qui me suivent sur le groupe Les Giveaways de Romero sur Facebook, c'est une boîte que je ne m'attendais pas vraiment à me souscrire, mais les licences annoncées m'ont vraiment séduit. Uncharted 4, Deadpool et Game of Thrones, ceux qui l'auront reconnu. Je porte la bague que Nathan Drake porte autour de son cou dans Uncharted 3. Donc, je l'avais eu dans le Collectors de Uncharted 3, le jeu, avec une statuette. Il me venait ça. Donc, une chemise qui ressemble plus ou moins à ce que lui il porte. Il manque juste les étuis pour les fusils. Mais bon, j'essaie de ressembler plus ou moins. C'est vraiment des licences qui me plaisent au maximum. Alors, j'ai foncé. Ne tardons plus. Ouvrons-la. Voyons voir ce qu'il y a dedans. La Geek Feel. Voilà. Pas de thème. Trois licences annoncées. Trois licences qui me plaisent. J'espère que je ne serai pas déçu. Si je me souviens bien, il y a toujours un petit papier. Voilà. Donc, l'avantage avec ces boîtes-là, c'est qu'elles nous offrent toujours un jeu sur Steam. Donc, celui-ci, c'est The Weaponographies. Je ne connais pas. Donc, voilà. Mais c'est celui-là. Je ne vous montre pas le code. On s'entend. Voilà, ça c'est le jeu. Ensuite, Uncharted 4. J'ai des paysages. J'espère que ce n'est pas... C'est le patou d'Uncharted 4. Je vais mettre des images un peu plus grandes parce que je serais déçu un peu. Mais bon, ensuite, d'accord, donc ça doit être la licence Deadpool. J'imagine que c'est une figurine. Ça dit figurine au bas. Donc figurine mystère, laissons voir. Oh, génial! C'est Deadpool lorsqu'il est assis sur le pont à dessiner. On n'en dira pas plus pour ceux qui n'ont pas vu le film. Donc oui, petite, très petite figurine, mais bien détaillée. Et oui, très très belle. Donc, pas mal du tout, je suis bien content de ça. Voilà. Il ne veut pas s'asseoir. Bon, on continue. Donc, ici on a Westeros, le map de Westeros et Free Cities. Ça a l'air de contenir le t-shirt qui est Lannister's Estate, Tyrion's Vineyard. Oh, d'accord. Les vignes de Lannister, Tyrion, le vin. On se rappelle qu'il adore boire, lui il boit et il sait des choses, c'est ça qu'il fait. Excellent, j'aime bien la couleur, c'est un peu une couleur qu'on nous habitue pas très souvent dans les boîtes. Il y a un petit design quand même, donc ceux qui connaissent pas trop Game of Thrones, ça leur parlera pas. Par contre, ceux qui connaissent, ça leur frappe dans le mille, c'est excellent, joli t-shirt. Ensuite, un verre à la licence de Geek Feel. Ok, j'aurais préféré peut-être une des trois licences sur le verre, mais d'accord, pourquoi pas. Je vais pouvoir le mettre à mes côtés lorsque je ferai mes unboxings avec un peu d'alcool dedans. Bon, pourquoi pas. Ensuite, ok, il y a un petit
petit collant Geekfuel dessus, donc ça doit être une exclusivité Geekfuel. Comment on ouvre ça? Il y a une petite boîte à l'intérieur. C'est en fait une réplique de la bague que j'ai au cou. Dans son. D'accord. Oui, pourquoi pas? Bon. Je l'ai en double maintenant. C'est quand même dur à faire, ça. Il fallait le faire. Avoir des pops doubles, oui, je comprends. Mais là, un article. Ok, ouais, c'est pas de leur faute. Ensuite. Edition, c'est le dessin en fait que Deadpool faisait sur le pont. Donc on reconnaît Deadpool qui tire sur le. Donc, ouais, génial, j'aime bien ça, c'est drôle. Parfait. Et ensuite, le magazine. Puis le récapitulatif, oui. Ce qu'on a pu recevoir, donc le jeu, les deux mini posters, le verre, le sketch Deadpool, Sir Francis Drake Lost Ring, voilà, Deadpool Monitor Mate, donc oui, et le t-shirt exclusif à Geekful, excellent, oui, une assez bonne boîte. Un peu déçu, mais bon, c'est pas de leur faute, c'est pas de leur faute. Un petit magazine très intéressant qu'on pourra aller par la suite. Maintenant, la boîte est vide. Ouais. Bon, personnellement, vu que j'avais ça déjà en double, c'est pas vrai. La boîte est vraiment belle, par contre, ça, oui, je dois leur donner. Mais ça sera pas mon article préféré. J'irai vraiment avec le t-shirt, je l'ai vraiment aimé. C'est. Ouais. Mais dites-moi dans les commentaires, vous, quel article est-ce que vous avez préféré? Ça m'intéresse. Dites-moi dans les commentaires. Sinon, je vous annonce aussi qu'en juin, on est déjà en juin, donc plus tard ce mois-ci, vers la fin du mois, je devrais recevoir une Super Geek Box. Le thème est vilain, donc c'est ça qui est ça. En plus, bien sûr, du Collector's Corp. Collector's Corp? Oui, c'est ça, Collector's Corp avec le thème Women of Power. Donc aussi vers la fin du mois. C'est Collector's Corp qui vraiment comptera pour le giveaway. On annoncera le thème ainsi que les étapes à suivre. Voilà. Donc, une boîte quand même assez raisonnable pour le prix que ça vaut. Surtout, c'est pas mauvais. Ça, le doublon, c'est pas de leur faute vraiment, mais il fallait le faire. C'est surprenant. Donc, je vous remercie d'avoir regardé. Et je vous dis à la prochaine. Ciao! Toi, Pedro, t'étais au courant du contenu de la boîte. T'aurais pu. Mais oui, patronne, mais c'est vous qui m'avez dit Oh. que. Hein? T'es mieux de pas être en train de filmer, là, Pedro. Ah non, je filme pas.
Déjà, là-dessus, t'es quand même assez sympa de te payer le billet d'avion que tu viens de m'aider avec le tournage. Faudrait pas qu'en plus ils entendent que tu m'as appelé patronne tout le long. Ben oui, Non? c'est vrai. Parfait. Sinon, au pire, on coupera au montage, là. Oui, on coupera. On coupera aussi le bande de Fennec qu'on a fait au début, là, de ne pas avoir aussi une Novastar sur mon dos. Mais avec Mathieu, il m'envoie des poules, moi. Je suis fini, quoi. Ah, je suis pas comme les Geek Friends. Déjà, je suis tout seul, tu vois. Et en plus, j'ai pas la shape des Geek Friends. Moi, je ressemble plus au pingouin dans le film de Tim Burton, Batman Returns, que super-héros. Ouais, on coupera là, Oui, t'inquiète. on coupera. Hey. Tu veux juste une fois là, voir. Patronne! Ouais, ça me plaît. T'es sûr là, tu filmes pas? Non, je filme pas.